Bienvenue à Cardio-Onco 2024, je suis Guillaume L'Officiel, cardiologue au CHU de Rennes. J'ai le plaisir d'être avec Dr François Desraux, cardiologue à Marseille. Bonjour François. Bonjour Guillaume. Alors François, qu'est-ce qu'une endocardite marastique Quand on parle d'endocardite, on oppose l'endocardite infectieuse, que l'on connaît bien, et puis les endocardites non infectieuses. Ce sont ces syndromes qui sont caractérisés par des dépôts fibrino sans agent infectieux sur les valves. Et quand ces syndromes sont liés à un cancer, on parle alors d'endocardite marastique. Mais finalement, est-ce que c'est fréquent Alors, l'endogradite marastique, c'est finalement pas si rare. On a une incidence entre 1,6 à 9 Alors, c'est très variable, ça montre bien qu'on connaît mal cette pathologie, mais c'est assez finalement variable et peu rare. Et ce qu'on sait aussi, c'est que tous les cancers peuvent donner des endogradites marastiques, mais ce sont surtout les cancers solides, et notamment pulmonaires, pancréatiques et ovarien, qui sont à l'origine d'endogradites marastiques. Et comment on peut porter le diagnostic de cette pathologie Le diagnostic, il est complexe. C'est un vrai challenge diagnostique. C'est un diagnostic d'élimination parce qu'on n'a pas de critères dans la littérature qui permettent de poser le diagnostic d'endocardite de marastique. L'étape capitale, c'est d'abord de la suspecter. Si le patient a un cancer, évidemment, on va être alerte, on va penser à une endocardite marastique, mais surtout, il faut éliminer l'endocardite infectieuse grâce aux critères de Jux modifiés, les critères qui sont adaptés à l'endocardite infectieuse. Et une fois qu'on a éliminé l'endocardite infectieuse, alors on peut suspecter l'endocardite marastique et utiliser l'imagerie multimodale pour poser le diagnostic. D'accord, mais il y a une place au TEP scanner dans cette indication Excellente question. Effectivement, quand on dit imagerie multimodale, il y a évidemment l'échographie transthoracique, transophagène pour mettre en évidence la végétation il y a le scanner pour mettre en évidence des emboles périphériques qui sont très fréquents en cas d'endocardite marastique et puis il y a le TEP scanner. Le TEP scanner, non seulement parce que s'il n'y a pas de fixation sur une prothèse valvulaire, ça sera très évocateur d'endocardite marastique mais surtout pour mettre en évidence des cancers qui sont pas connues ou alors des localisations secondaires de cancer non connues. Donc, oui, le TEP scanner, même en cas de valve native, a vraiment une place en cas de suspicion d'engardite marastique. Et est-ce que c'est une pathologie grave Alors, c'est une pathologie qui est grave. On a une mortalité à un an de 50%. Un tiers des patients décéderont au cours de l'hospitalisation. Donc, le pronostic vital est Très important et très engagé, mais il y a aussi un pronostic fonctionnel 65% des patients emboliseront au niveau cérébral. Donc, oui, c'est une pathologie qui est grave. Est-ce qu'on a une prise en charge spécifique à leur proposer Alors, là encore, pas de recommandation. La première étape, c'est traiter la cause. Dans notre cas, endocardie de marastique liée au cancer, on traite le cancer. Deuxièmement, ce qu'on sait, c'est qu'il faut les anticoaguler de manière curative par éparine plus que par AVK. La place des AOD, pour l'instant, on ne la connaît pas, donc on, on fait une anticoagulation par éparine. Et enfin, la chirurgie. Et ben là encore, le patient avec cancer, il est moins bien traité que celui sans cancer. À taille de végétation égale, un patient avec cancer va être moins souvent opéré que celui sans cancer. Donc on a besoin d'indications chirurgicales. Donc aujourd'hui le traitement, c'est on traite la cause, on anticoagule et on envoie aux chirurgiens s'il y a besoin. Et il y a des grands registres qui colligent un peu ces informations Eh bien le problème, c'est que non. Aujourd'hui, la plus grande cohorte, elle est de 47 patients. Donc on voit bien qu'on manque de données. Et effectivement, je pense qu'un registre national, qui serait donc euh, la première fois qu'un qu tel registre serait construit, serait une très bonne chose pour, euh, pour la Société Française de Cardio et en France. Donc, euh. Merci François. Donc je comprends que c'est une pathologie rare, en tout cas sous-diagnostiquée, grave, pour lequel il faudrait qu'on allie tous nos forces pour euh, porter des meilleurs diagnostics et avancer. Exactement. Merci beaucoup Guillaume.